Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un partenariat. Donc, c'est un partenariat avec la marque Gearbest, enfin le site Gearbest. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute manière. Et donc, une personne m'a contacté pour tester ce colis. Donc, il s'agit normalement d'une lampe, si je me souviens bien. Mais on va regarder ça ensemble. Donc, première étape, l'unboxing. Alors ça se présente comme ceci. Dans mon colis, du coup, j'ai trois petites boîtes. Et donc, ces petites boîtes sont des connectiques pour pouvoir créer une lampe avec des petits pads en forme d'hexagone comme ceci. Donc les packaging sont plutôt sympas. Bon, ils sont un peu abîmés par le transport, mais rien de très grave. On voit bien que c'est un design noir avec beaucoup de couleurs. On a la marque de l'objet tout simplement. Et derrière, on a un peu des informations sur le connectique et ce que l'on a à l'intérieur. Donc on va ouvrir tout ça, voir ce que ça donne. Donc on va commencer par la boîte principale. Je suppose que c'est le socle. Ok, alors ça se présente comme ceci. Donc là, on a le socle de notre lampe, je pense, avec la prise connectique en USB. À l'intérieur, on a aussi un socle tout simplement pour pouvoir la caler. Donc je vous montre tout au fur et à mesure. Je ne sais pas du tout pour l'instant comment m'en servir et vraiment à quoi servent chaque élément. Du coup, je vous ferai bien sûr après, je vais faire des tests et je vous montrerai avec les tests comment tout ça fonctionne. Donc voici pour le contenu de la première boîte et je vais ouvrir les autres. Donc dans la première, deuxième boîte, il s'agit de connectique, d'un pad exactement pareil de lumière. Donc voici un deuxième pad. Attention à l'intérieur, je n'avais pas vu au début, il y a un petit connectique bien caché et tout petit au fond. Donc voici pour la première petite boîte et je suppose que la deuxième, c'est exactement pareil. Hop, nous avons le pad et à l'intérieur de la boîte nous avons, là il est sorti de son sachet, connectique. Donc voici pour le contenu des trois boîtes que je vous ai présenté. Maintenant je vais aller voir un peu comment ça fonctionne et je vous montre tout ça en explication après. Alors ça y est les amis, j'ai cherché comment monter la lampe. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas de notice fournie dans les boîtes. Donc j'ai dû aller voir un peu sur le site pour voir tout simplement, avoir des explications pour pouvoir la monter. En fin de compte, vous allez voir, c'est très très simple. De toute façon, je vous mets le site pour pouvoir l'acheter si ça vous plaît en barre d'infos et en même temps avoir toutes les informations dessus. Donc d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ce pack est à 30 € je crois à peu près. Les prix sur Gearbest changent à peu près selon les jours. Donc je vous mettrai de toute façon une petite photo pour vous montrer le prix au moment où j'édite cette vidéo. Il y a différentes choses dans ce pack. On peut avoir on a un pack de base qui est celui-ci avec la borne de base avec donc le fil pour le connecter tout simplement et des petits pads comme ceci. Donc dans ce pack il y a donc 3 pads comme vous le voyez, mais on peut aussi acheter des pads à l'unité ou des pads ou des packs pardon avec plus de pads à l'intérieur. Bon, alors je vous montre ça. Pour en fait la monter, c'est plutôt très simple. On a juste à retourner les connectiques. Donc, et en fait, c'est grâce à ces petites choses. Donc, on vient par exemple en bloquer un. En fait, vous pouvez mettre où vous voulez. Donc, c'est un peu pour ça que je fais ce partenariat aussi. C'est que, bon, voilà, je présente une lampe, mais c'est une lampe un peu DIY que vous pouvez former comme vous le souhaitez, selon le nombre de pattes que vous avez par exemple.
Donc vous voyez, il y a plusieurs points de connexion. En fait, je choisis peu importe où je veux mettre mon deuxième pad. Donc je viens insérer ici. Et ensuite, je prends mon pad et je viens le connecter à l'autre comme ça. Donc voici ce que ça nous donne par exemple. Et on va faire la même chose pour l'autre. Donc après, vous pouvez le mettre où vous voulez vraiment. Je sais pas, par exemple, on peut le mettre ici et faire une autre forme. Et c'est exactement la même chose. On vient le clipser sur le deuxième. Et après, on a une forme comme ceci. Mais on peut très bien, si on n'a plus envie ou si on veut changer, le retirer et faire une autre forme, faire une forme comme ça ou... Et après, plus vous avez de pattes, plus vous pouvez faire deux choses. Ensuite, ici c'est tout simplement un petit soc pour pouvoir la poser. Vous rentrez tout simplement le bout de la prise qu'il y a ici dans le trou comme ceci, et en fait ça vous permet d'avoir un support pour poser votre lampe où vous le souhaitez, tout simplement. Donc je voulais pas montrer avant, mais en fait cette lampe se connecte grâce à un port USB. On va faire un petit test ensemble. Je vais la connecter à mon ordinateur et on va voir du coup ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc voici, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bien sûr je vais vous faire des petites vidéos après dans le noir ou dans des endroits plus sombres pour vous donner un peu une idée de ce que ça donne. En tout cas c'est plutôt sympa, on voit il y a plusieurs couleurs qui changent. Je sais qu'apparemment on peut les contrôler grâce à une application, je vais regarder ça et je vous en dis plus tout à l'heure. Donc oui, il y a bien l'application Cololight comme je vous ai marqué à l'écran juste avant. Pour changer les couleurs, mais on peut aussi tout simplement appuyer sur la prise et cela nous fait changer la couleur. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je remercie le site Kerbez m'a fait confiance de m'avoir envoyé cette lampe. Honnêtement, je la trouve plutôt cool, mais je regrette de ne pas avoir assez de pads, mais ça, voilà, je peux en acheter, c'est pas un souci. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa, ça donne vraiment une bonne ambiance. Moi, je l'ai dans ma salle depuis du coup quelques jours, et j'aime beaucoup. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite. Bye!